Salut tout le monde, c'est Ekaïs et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale sur le Majin LR les frérots. Et oui, le Majin LR, Drinksu, grosse dédicace à toi frérot, j'ai pris son Majin LR en ami pour le tester. Il a monté ce P20 et il a pas fait de détails, lui direct il l'a monté ce P20. Donc on va voir ensemble ce personnage, ce qu'il fait, il est vraiment énervé et on va pouvoir le tester dans un event. Et j'ai pas choisi n'importe quel event, j'ai choisi le Jubei Kaioken, il va castagner à mort, donc c'est pour ça que je le fais. Donc Majin LR, qu'est-ce qu'il fait en aptitude leader? Ki plus 3, PV, attaque et défense plus 90% sur le type AJ. Ce qui change par rapport au God tier, au God leader, les God leader c'est Ki plus 3, PV, attaque et défense plus 70% sur le type AJ. Donc il y a déjà 20% supplémentaire. Donc ça c'est déjà pas mal, là, lui tu le mets en leader clairement, tu le remplaces par Super Vegeto. Inflige des dégâts titanesques et peut rarement étourdir l'ennemi. Ça c'est énervé, donc il a comme les autres LR plusieurs attaques spéciales. Donc on verra comment on va s'y prendre dans le combat. En aptitude passive il a attaque plus 150% lors d'une attaque spéciale. Mais Pélo, 150%, mais c'est énormissime frérot. En termes d'aptitude, donc lui il a monté l'attaque en chaîne, donc le coin gratuit hein, vu que c'est très compliqué je pense de l'avoir en doublon. Déjà de l'avoir tout court c'est déjà pas mal. Donc l'avoir en doublon, faut pas trop espérer frérot hein. Sois gentil, surtout qu'il y a les CJ4, sois raisonnable. En termes de lien, il a le Super Saiyan, donc attaque plus 10%, on voit ça ensemble avec les persos, vous-même vous savez hein. La race Saiyan, ça par contre il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont, mais attaque plus 701, ça on s'en bat les steaks. Fierté Saiyan, ça c'est autre chose, attaque plus 15%, ça peut être pas mal à développer avec qui. Je ne sais pas si dans ma team j'ai d'autres personnes, non généralement ça c'est du... Ça c'est bien les trucs des... Tiens, laisse tomber, bref. Perfis Vegeta, ouais bah ça après on s'en fout, qui plus 1. Combat décisif, qui plus 3, ça c'est pas mal. Parce qu'on va le mettre au niveau de la rotation, on va le mettre avec le Jubei Kaioken qu'on aspect 10 dans la team. Donc ça va être vraiment pas mal. Briser la limite, et c'est ça le bémol, je dirais, de ce personnage. Il a pas combat acharné comme le Broly LR, malheureusement. Il a brisé la limite, donc qui plus 2. Les briser la limite, c'est pas fifou. Donc ça, on s'en fout clairement. Et le pouvoir légendaire avec les LR, bien sûr. Attaque plus 5000 lors d'une attaque spéciale. Donc ce personnage là, il a des stats de folie, on verra ça en combat à combien il va taper. Donc on part bien sûr avec la team AJ, Ki plus 3, attaque et défense et PV plus 70% sur le type AJ, donc avec Super Vegeto. Le Jubei Kaioken, donc au niveau de la rotation, il va avoir Majin LR avec le Jubei Kaioken, SV avec Rosé et les trois autres vont servir, je sais pas du tout si je vais mettre SV avec la gargouille, donc Ryu Shenron pour bloquer l'attaque SP, parce que Jubei Kaioken... Il faut pas oublier qu'il castagne, il castagne à mort les frérots. Donc on verra ça. En objet, on part avec Senzu, Dende, Fantôme et Dragon. Et c'est parti. Je pense que là, ça va être joli à voir. Mais Majin LR, frérot, il fait plaisir. Allez, start. Allez, yalla. Allez, Momo. Montre-nous tes fesses. On va prendre le chemin du ki. Hein, comme ça, au moins... Vu qu'on n'a pas pris d'objet de ki. On a pris quand même un tank pour s'assurer le coup pour la vidéo. On a pris Golden Freezer, même s'il est pas... Comme je dis, c'est un tank, hein, il est pas là pour cogner. Après, on a pris le Goku divin, parce qu'il a aussi combat décisif. Il a de très bons liens, le Goku divin normal, là, avec les cheveux rouges. Allez, Majin LR, récupère du ki. Allez, frérot. Ah, pas toi, on s'en fout, toi. Allez, yalla, c'est parti. C'est parti. Je me transforme en même temps. C'est parti. Ah là là, ça commence bien avec le Majin LR. Ça commence bien. On va faire ça comme As. Non, on va faire ça comme As. Non, non, on va faire ça comme ça. C'est bon, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Ouais. Ouais. Bon, SV, on le vire. On va, comme j'avais dit, on laisse Majin LR avec le Jubei Kaioken. SV... Bon, il était là pour tanker, mais Osef, on le vire. Et on va tester dès le début, dès le premier tour, le Majin LR Impact Final. Quelle belle carte! Oh là, oh là 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 là, il est magnifique. 544 000 sur le mauvais type, c'est vraiment... Oh, l'attaque supplémentaire de Jubei Kaioken! Oh, cette vidéo, elle est folle. Oh! Oh, le critique à 1 million. Oh, le critique à 1 million. Ça fait plaisir. Ah là, franchement, ça commence bien. J'ai même pas intérêt de mourir à Jubei Kaioken. Hein. Moi, je te jure. Hein. Je pète un cap direct. Bon. On va faire ça comme ça. Il attaque deux fois. Bon, de toute façon, même si je meurs, je whisse. Ah ouais, j'en ai rien à foutre. Hein.
Vous allez pas commencer à me dire ah ouais oui c'est en vidéo. Ah non moi j'en ai rien à foutre là. J'ai trop bien commencé. J'ai trop bien commencé. Donc 15 000 ça va, 15 000. Le blague au courosé, il fait plaisir. Combien il va enlever? Là ça va, normalement là ça va rouler tout seul. 650 000 pour le blague au courosé. Le Goku divin, très bon personnage. Vivement qu'il ait un Dokkan, il est SP1, il en laisse 140 000. Vivement qu'il ait un Dokkan, ce personnage là, comme ça je le monte. Et ça, il va être oufissime. Il va être vraiment oufissime ce Goku divin. Donc le Golden, on le vire. On met le Jubai parce qu'il a une grosse défense. Il a 30 000 en défense, ça va le faire. En plus, ça, on a bloqué l'attaque SP. Là, on le tue, là. Là, clairement, on le tue. On va faire ça. Imaginez l'air. Fais-nous plaisir. On s'en fout du Golden. Ah, la défense de Jubai Kaioken, ça fait plaisir. Ça permet justement de ramasser le moins de dégâts possible. Imaginez l'air. Fais-toi plaisir. Impact final. Bon, j'espère qu'à la fin, 1 230 000. Il me le faut. Il me le faut. Donc j'espère quand même au niveau du combat qu'on essaiera de faire sa deuxième SP. 1 200 000 pour le Majin LR, c'est SP 20. Il est vraiment... Il est vraiment fou. Hein. On va faire un petit Senzu. On va mettre SV ici, Rosella. Et on va partir en SP comme ça. L'aspect de SV va permettre d'augmenter l'attaque, le pourcentage d'attaque des autres persos. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. 2, 4, 2, 4, 6, ouais. Ça va le faire. Donc le Jubai Kaioken, j'ai oublié de vous dire qu'il a 1, 2, 3, 4 phases, il me semble. Si je me souviens bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait le Jubai Kaioken, cet événement. Donc ça fait plaisir, profiter du fait qu'il y ait la rotation au niveau des events pour pouvoir récupérer les médailles qui vous manquent. D'ailleurs pour monter les C17 et C18 LR également. Donc profitez-en. Aussi également profitez du fait que qu'il y a les Super Strikes divisés par deux. Donc les ACT des Super Strikes, très important les frérots, les Super Strikes. Ça peut toujours vous sauver. Hop là. Non, il me tue pas là. Je suis bien tenté de mettre Majin en premier, comme ça on récupère les sphères de ki. Normalement, ça fait 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non. Je suis bien tenté. Bon, tant pis. On verra bien. Malheureusement, aïe. Ça, c'est dommage ça. Parce qu'on a fait l'ultime attaque déclenchée, mais le Jubai Kaioken, clairement, va le tuer. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Il va m'enlever combien? 49 000 quand même. Putain, il fait mal. Hein. Il fait mal, le bougre d'âne. Donc, dommage. Dommage pour le coup. On était à deux doigts de vous montrer la deuxième attaque spéciale de Majin LR. Là, le Golden sert à rien. Le Golden va servir à rien pour le coup. On va mettre ça là. Il va pas tanker le Golden. C'est ça le problème du Golden, je te jure. Le Golden, rit. On va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. On réfléchit bien comment on va s'y prendre. Parce que si le Kaioken va faire très mal. S'il nous fait une SP là, il va nous enlever environ 90 000. Il fait à 30 000. Allez, c'est quoi? Pour la vidéo, on va faire un dragon pour la vidéo. Donc le rosé part en SP. Le SV part en SP. Et on s'en fout si Golden part en SP. Vous allez voir, hein, je vais faire partir en SP le Golden. Il est vraiment là uniquement pour ramasser les dégâts. Mais pour le coup, il ramasse les dégâts que si les PV sont au-dessus de 50%. Et vu qu'il est apparu quand les PV étaient en dessous de 50%, et ben il va pas tanker pour le coup. Même si tu fais un Senzu derrière. Ouais, c'est ça la subtilité du truc. Même si tu fais un Senzu derrière, gros. Allez, Momo. Allez, SV, frérot. Ah, il fait l'aspect sur SV, mais c'est vraiment...
Là, le golden, il va enlever combien? Bon, ça va, 80 000. Ça va, j'étais méchant. J'étais méchant, j'avais dit 20 000 tout à l'heure, 80 000. SP1. C'est pas dégueulasse. Allez. Allez. 2, 4, 6, 8. Est-ce que 8, ça le fait partir en SP? Est-ce que 8, ça le fait partir en SP? C'est ça que j'aurais dû faire, récupérer un objet de qui? C'est dommage. Et si on le met là? Oh! Oh! Ça le fait partir en SP, frérot. Ça le fait partir en SP, frérot. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, pour la vidéo. Pour la vidéo, on s'en fout. On va casser des bouches. On va casser des bouches. Oh, s'il te plaît, faites pas que tu... Faut pas qu'il parte en double. Voilà, c'est bon. Et là, le Majin. Oh là là, l'attaque. Déjà, l'attaque, elle est magnifique. Elle est magnifique à Dieu Bulma, je sais pas quoi, Dieu Train si tu veux. Mais elle est vraiment, vraiment très très belle. Et 1 100 000, pour le coup, c'est vraiment, vraiment, vraiment énervé. Pour le coup. Et en plus, ça, il est pas niveau max. Hein. Il était level 127, il me semble. Donc voilà. C'était pour tester le Majin LR pour la vidéo. Et puis voilà quoi. Oh, franchement, là, je suis choqué du Majin LR. J'aimerais bien l'avoir, malheureusement. Oh, vous savez quoi pour la vidéo? Allez, je fais une petite single. Pour la vidéo, je fais une petite single. Parce que là, je le veux. Je le veux, s'il te plaît. S'il te plaît, je veux Majin LR. 1, 2, 3 capsules. Pas d'arc-en-ciel. Il se transforme, s'il te plaît, Majin LR. Pour la vidéo, s'il te plaît. Super Saiyan 2. Vas-y là, vas-y là. Putain. Je suis dégoûté, enfin bref. Donc en tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo les frérots. Lâchez votre petit pouce bleu des familles, ça fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous. Ah, ça, c'est gratuit. Et puis on se retrouvera pour un live cette semaine. Donc merci à vous tous les frérots, je vous fais 1000 bisous. Et puis ciao l'équipe, ciao 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 ciao.